Bonjour, aujourd'hui on est à Sion-la-Cascade pour vous présenter une initiative originale, la création d'une filière laine en circuit court. Alors l'idée de valoriser la laine m'est venue avec ma belle-mère parce qu'on s'est rendu compte que la laine, depuis quelques années, disons, ne devenait rien. Et comme on vit sur une ferme, que mon compagnon est éleveur, on a eu à cœur d'en faire quelque chose et d'arrêter ce gâchis de voir une laine finir sur le fumier. Et donc on a commencé par être un collectif de femmes. On s'est formé au tri de la laine et à ce qu'on pouvait en faire. Et en 2022, on s'est constitué en association, l'association Enlainez-vous. Et depuis, on passe beaucoup de temps à récolter la laine, à la transformer et à faire beaucoup d'actions pédagogiques autour de la laine pour que ce produit qui est tellement digne, tellement chaud, tellement doux, tellement valorisé, tellement valorisant, retrouve un peu ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, c'est justement jour de tonte pour les 300 moutons de l'élevage. Nous transportons notre laine après l'avoir triée, donc dans le seul unité de lavage qui existe encore en France, c'est-à-dire à Saugues en Haute-Loire, puisque toute l'industrie lainière a été démantelée dans les années 80. Elle ne vaut plus rien, elle n'est plus payée aux éleveurs ou alors très peu, et exportée uniquement en Chine. Nous l'emmenons dans le Val-Gaudemar, où il y a une filature qui a été rachetée par une dame et qui a relancé cette filature. Et on a donc ce merveilleux fil Lacone Mérinos avec lequel nous faisons faire des chaussettes, des bonnets dans l'Indre, puisque en région PACA, on n'a plus rien, par exemple, alors qu'on est la région où il y a le plus de laine Mérinos. Vous aussi, vous connaissez des solutions, des belles initiatives qui changent la vie? Dites-le nous en commentaire.